compagnie théâtrale Art Jeunesse et Santé par la joie est heureuse de vous présenter par ma bouche. Par ma bouche. Par mes lèvres. Une mauvaise pièce de théâtre mal écrite et mal jouée par des mauvais comédiens. Merci beaucoup. Ça s'appelle Les Mauvais. En anglais, c'est Mavis. C'est très mauvais. Et je vous l'ai très mal présenté. Merci beaucoup. Il y a un coup qui dépasse. Il y a un coup qui dépasse. Je pourrais l'enlever, mon ami. Là, il y a un accident, n'est-ce pas? Il faut l'enfoncer comme ça, faire passer les petits fours auprès de ces dames, ça n'est pas passionnant. Et moi-même, je vais aller prendre un petit quinquina. Ça va me requinquer. Tout seul au coin du feu. Eh bien, lisons. Mais quelle heure peut-il bien être? L'heure. C'est ça l'heure. Oui, faut taper là-dessus. Là. Faut taper là-dessus. Voilà. Encore. Ah! Saleté. Midi, déjà, comme le temps passe vite. Et Estelle qui n'est pas encore rentrée. Mais j'entends la sonnette du vestibule. Régisseur, sonnez. Je peux pas aller pas brancher la sonnette. J'entends la sonnette du vestibule qui sonne. Alors frappez. Tiens, on frappe. Ça y est. Entrez. C'est fait. Est-ce Estelle? Est-ce elle? Oh. Bonjour Blaise. Ah, c'est toi mon bon Conrad. Je te dérange pas. Oh, certes, non, tu vois, j'écrivais. Mais non, je ne comprends pas. Mais. Il n'y a pas de clou. Tu peux raccrocher mon chapeau. J'ai rien à tout, je raccroche mon chapeau. Mais. Oh, comme ta voix la blême. Je ne suis pas blême, Blaise. Eh bien, si tu te voyais. C'est parce que j'aurais grimpé trop vite l'escalier. Mais voyons, vieux Conrad. Oh. Nous habitons le rez-de-chaussée. Ciel, je me suis trahi, je me ronge. Je ne sais quoi te dire. Attends, moi non plus. Mais cela n'est rien, vieux Conrad. Prends donc un siège. Ainsi, nous voici assis. Ah oui? Je vais aller quérir une vieille bouteille. Oh, mais tu fais ce que tu veux. De derrière les fagots. Ah, c'est bien la meilleure marque. Brave Blaise, comme il m'aime. Lui dira-je mon lourd secret? Non, Conrad. Reste quoi qu'il arrive. Oui, non, c'est pas là. Mais c'est un bon tombeau. Tiens, le revoici. Tiens, le revoici. Ah, tiens, le revoilà. C'est pas sauvage. Tiens, goûte-moi ce bon vieux Porto. Un doigt seulement. Allons, tu n'es pas une femmelette. Tu as été Boy Scout, toi aussi. C'est vrai, un doigt seulement, mais dans ce sens-là. Ah, est-il amusant celui-ci? Aussi, m'esclaffé-je? Qu'est-ce qui joue bien ce type-là, là? Serre. Il est délectable. Il est délectable. Oh oui. La table. Il est délectable. La table. Ah, oh, je vais être gris. Ah, mais non. À propos, je vois à ton costume que tu es en deuil.
Mais non, je ne suis pas en rade, vieux Condor. Enfin, ton enfant. Je ne suis pas en deuil, vieux Conrad. Ou plutôt si, je suis en deuil, moralement. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui joue bien, hein? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est poignant. Je peux la refaire encore? Oui, oui, vas-y. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Estelle, comment sais-tu? Pauvre Conrad, tu t'es trahi. Moi? Allons, n'aie pas l'air plus bête que tu as l'air. De nous deux, il y a un bel imbécile. Eh bien, c'est surtout pas moi. Ah, j'aime te l'entendre dire. Qu'est-ce qu'il joue bien, ce type-là, hein? Non, mais dis donc. Quel est donc ce courroux? Ce courroux? Ce courroux? Vous avez vu ses petites mains? Ma femme est ta concubine. Ma concubine? Ma concubine? Qu'est-ce que c'est cette combine? Oui, Conrad, ma femme, tu l'as. Blaise! Oh, j'ai pas vu la virgule. Ça, c'est parce que je joue trop vite. Prends des temps. Oh, mais je joue plus lentement maintenant. Mais me voici au pied du mur. Attends. Et au pied du mur. Attends. J'ai une forte envie de te dire. Je vous ai eu. Non. Oui, j'avoue, j'aime Estelle. T'aimes Estelle? J'aime Estelle. Il aime Estelle. Nous aimons Estelle. Ah, ainsi donc je perds en un seul jour ma femme et mon meilleur ami. Ah, c'en est trop. Mais quelle est cette douleur qui m'envahit les jambes? Plus bas, plus bas, plus bas. Ciel, je ne puis plus bouger. Ah, le docteur me l'avait bien dit qu'une émotion nouvelle me terrasserait. Ah, que je souffre. Ben, tu sais, on s'ennuie pas chez toi. Oh, que puis-je pour toi? Donne-moi une chaise. Ça y est, ça va commencer, il n'y a pas de chaise. Non, il n'y a pas une chaise. Ah, oh, je souffre. Oh, c'est là, non, non, mais c'est la mienne. C'est ma chaise. Ah, je souffre. Ah, je n'ai jamais tant souffert. Ah, ciel souffert. Ah, que je souffre. Ah. Ah, que je souffre. Vous n'avez pas vu un petit blond? Vois-tu, me voici dans mes meubles. Prends ce bon fauteuil Louis XV. Me revoici assis. Louis XV. Et je reste debout à cause de ce que j'ai reçu. Eh bien, cours la rejoindre. Dis-lui que je lui pardonne. Et soyez heureux tous les deux. Je ne puis, château. Mais cela n'est rien, vieux Conrad. Oh, c'est pas bon, ça c'est pas bon. Appelle-moi Georges. Oui. Cela n'est rien, vieux Georges. Je ne vous oublierai pas dans mon testament. Testament? Testament? Toi, tu vas faire une bêtise quand je serai parti. Oh non, non, non. Oh, mais si, mais si. Oh, mais non, mais non. Oh, mais si, mais si. Oh, mais non, mais non. Ah, mais si, mais si. Oh, mais non, mais non. Ah, mais si, mais si. Non! Si! Ah, tu vois que tu fatigues. Tu m'en donnes ta parole d'honneur? Je ne puis. Ah, je pars rassurer tous les garçons. Et maintenant qu'il est parti, mourons! Régisseur! Ah, pétard, pétard. Et maintenant qu'il est parti, mourons. Mais écoutez, il faut pourtant que jamais, il faut qu'on en finisse. Vous ne vous rendez pas compte de l'heure qu'il est, tu et moi, faites quelque chose. Non, laisse ça, non, non, non. Si je pouvais bouger, je courrais me noyer dans la pièce d'eau. Belle initiative. J'y cours. Il s'est pendu.